观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。日本东京学院5月1号宣布，中国亿万富翁、科技巨头阿里巴巴的创始人马云接受了该学院客座教授的职位。东京学院是东京大学的一所新成立的机构，马云将与其教职员工开展联合研究和项目，尤其是在可持续农业和粮食生产领域。作为客座教授，马云还将就研究课题提供建议和支持。Le Tokyo College a annoncé le 1er mai que le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du géant technologique Alibaba, a accepté le poste de professeur invité de ce collège du 1er mai au 31 octobre 2023. Ce collège, qui fait partie de la prestigieuse Université de Tokyo, a indiqué que Jack Ma mènerait des recherches et des projets communs avec les membres de la faculté, en particulier dans le domaine de l'agriculture durable et de la production alimentaire. En tant que professeur invité, Jack Ma devrait également fournir des conseils et un soutien sur des sujets de recherche. 根据法国内政部长杰拉德·达曼宁提供的一份最新报告，在5月1号反对养老金改革的示威活动中，有406名警察和宪兵受伤。他在 BFM 电视台上说，我们必须对攻击安保人员的那些人实施最严厉的刑事制裁。在受伤的警察和宪兵当中，有三人情况危急，目前没有生命危险。他补充说，在巴黎示威活动中，脸部被燃烧弹烧伤的警察仍在住院治疗。Lors des manifestations contre la réforme des retraites du 1er mai, 406 policiers et gendarmes ont été blessés, selon un nouveau bilan apporté par le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. À Paris, 259 membres des forces de l'ordre ont été blessés, a-t-il précisé sur BFM TV. Il faut avoir les sanctions pénales les plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Parmi les policiers et gendarmes blessés, 3 sont dans une situation extrêmement difficile, même si leur pronostic vital n'est pas engagé. Selon Gérard Darmanin, le policier ayant reçu un cocktail Molotov dans la manifestation parisienne a été brûlé au visage. Il est encore hospitalisé. 昨天，美国财政部长珍妮·耶伦警告说，如果共和党和民主党未能就提高债务上限达成一致，美国可能会在6月1号陷入困境。由于征税低于预期，美国距离公共债务潜在违约又近了一步。具体而言，财政部将被迫在各种支出受限之间做出选择，这可能会迫使他严格限制某些支出，尤其是与健康或退休福利有关的支出。Les États-Unis risquent de se retrouver en difficulté dès le 1er juin si aucun accord n'est trouvé entre républicains et démocrates afin de relever le plafond de la dette. C'est ce qu'a averti hier le 1er mai la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Le pays se rapproche un peu plus d'un potentiel défaut sur leur dette publique après avoir récolté moins d'impôts que prévu. Et il s'avance vers le moment où il ne pourra plus faire face à toutes ses obligations. Concrètement, le Trésor serait en l'obligation de choisir entre ses différentes dépenses contraintes, ce qui pourrait l'obliger à fortement limiter certaines dépenses, notamment celles relatives aux prestations de santé ou de retraite. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.